c'est celle de la demande de main. La demande de main, on prend une petite assiette ayant de couvercle, un bol avec couvercle, et on y met une somme d'argent symbolique. Les parents prennent, ils demandent d'abord à la fille, voilà, on nous a amené ceci, est-ce qu'on peut prendre? Si la fille dit oui, elle peut prendre cette, elle a accepté. Quand tu as déjà demandé la main, tu as intérêt à protéger. Et pour protéger, la petite dot est composée de paille qu'elle peut commencer par porter pour protéger tout ce qui peut attirer là, qui fait, et là elle devient déjà la chasse gardée de quelqu'un. C'est dans la grande dot là, on prévoit de l'argent symboliquement pour la mère et pour le père. Pour le père, il est nécessaire de mettre un pagne qui fait au moins 6 mètres de long et un peu dessous. La mère, on lui donne des demi-pièces, une ou deux demi-pièces, c'est bon. Avec un peu plus dessous, l'argent de la belle-mère dépasse généralement l'argent du beau-père. Et les frères et sœurs ont aussi droit à quelque chose de symbolique. Ensuite, les tantes, les oncles ont aussi droit à quelque chose. Et tout cela est accompagné d'une bouteille de boisson. C'est le soir tombé, quand on a fini de manger, les gens que la famille du mari arrive et avec une certaine chanson. Et c'est notamment que la femme, la nouvelle épouse, rejoint chez son mari. En milieu mari, il se peut parfois. Si un manquement grave intervenant tant de les futurs beaux-parents, ça peut être un conflit là. Et tant que ce n'est pas réglé, les beaux-parents peuvent dire non, ne prends pas. À Abomey, dans la culture Abomey, et même vers Port-Nouveau, il y a un peu d'exhibition qu'on fait lorsqu'on fait le mariage. Le mari, il a une certaine retenue, une certaine richesse de discrétion. Il a un peu la méfiance, la crainte de maléfice ou de jalousie. Au fait que, mais en fait, ce qui est dans l'intimité reste dans l'intimité aussi. Mais là, on fait exhibition. Il a de la théâtralisation. La culture mari n'est pas dans ce schéma généralement.